Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 12 décembre, une nouvelle journée pour chacun d'entre nous. J'espère que la méditation d'hier vous a boosté à nous envoyer votre témoignage. Alléluia, sois béni Seigneur. J'espère que vous avez donné gloire à Dieu. Amen. En donnant votre témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. Parce que oui, mon frère, ma sœur, nous voulons bénir, et je crois que vous l'avez compris depuis le 1er janvier, et même avant que nous commencions ces méditations quotidiennes, notre but, notre chaîne est créée pour donner gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce que nous devons faire, parce que vous savez, mon frère, ma sœur, ça peut paraître anodin, mais comme Karine l'a bien dit hier, ce lépreux qui est revenu, non seulement Jésus l'a guéri, mais il dit, mais ta foi t'a sauvé. On voit que même au travers de cette guérison de maladie, mon frère, ma sœur, eh bien, il a reçu même le salut. Amen. Aujourd'hui, on prêche le salut et ensuite la guérison. Ce lépreux a eu d'abord sa guérison et ensuite il a eu son salut. Et donc, on voit que mon frère, ma sœur, les deux sont liés. Et c'est ce que je dis bien souvent à certains frères, certaines sœurs, que n'oublions pas, il est vrai que Dieu guérit, il est vrai que Dieu délivre, il est vrai que Dieu sauve, mais combien sont retournés en arrière? Ne plus être sauvé au jour d'aujourd'hui, avoir repris la maladie et bien plus au fur et à mesure, et combien aussi ont été délivrés et aujourd'hui sont pires qu'avant. Et Jésus l'a dit. Donc c'est ça qu'il nous faut poser cette question. Comment se fait-il? Jésus a dit que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides, il cherche du repos, il n'en trouve pas, il revient dans la maison dans laquelle il a été chassé. On parle de démons, mais n'oubliez pas que la majeure partie, je ne dis pas que c'est à 100% ça, mais la majeure partie des infirmités, mon frère, ma sœur, sont des démons. Donc aussi bien le démon, aussi bien la maladie peut très bien reprendre sa place. Et c'est pour ça que nous vous enseignons à ne plus pécher, à ne plus devenir incrédule, parce que tout ce que vous avez gagné auparavant, vous pouvez le perdre aujourd'hui. Donc mes frères et mes sœurs, faisons attention. Ce sont des lois spirituelles. Et Dieu ne déroge pas à sa loi. C'est pas parce que Salvateur qui le dit, mais c'est parce que c'est sa parole qui nous l'enseigne. Et nous vous l'enseignons. Amen. Jean, chapitre 5, au verset 30, il dit « Je ne puis rien faire de moi-même, dit Jésus. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et le titre du message d'aujourd'hui est « Christ incarne la volonté de Dieu en action. » Christ est l'expression de la volonté de Dieu. On dit parfois « Je ne sais pas ce qu'est la volonté de Dieu. » Or, Jésus est la volonté de Dieu. J'aime l'exprimer ainsi. Christ est la volonté de Dieu en action. Si vous voulez voir Dieu à l'œuvre, regardez Jésus. Si vous voulez entendre Dieu, écoutez Jésus. Il n'y a pas de meilleure façon de découvrir la bonne réponse à « Est-ce que c'est la volonté de Dieu de me guérir ?» que de lire les évangiles. Il raconte les enseignements et les œuvres de Christ. Car lorsque Jésus guérit les multitudes
qui se pressait autour de lui jour après jour, nous voyons le Père révéler sa volonté. Nous voyons Dieu à l'œuvre. Quand Jésus guérit tout le monde par l'imposition des mains, il faisait et révélait la volonté de Dieu en ce qui concerne nos corps. Un jour, je lisais un rapport rédigé par des théologiens de l'Église épiscopale. Ils avaient nommé un comité chargé d'étudier la guérison divine et de présenter ensuite un rapport. Après 3 années d'études et de recherches dans l'histoire et dans la Bible, voici leur conclusion. La guérison des malades par Jésus fut faite comme révélation de la volonté de Dieu pour les hommes. L'Église ne devrait plus prier pour les malades si c'est ta volonté, ce qui annule la foi. Le message des évangiles est un message de guérison complète pour l'esprit, l'âme et le corps des hommes. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen et Amen. Amen. 3 fois Amen. Mon frère, ma sœur, je veux entendre ton Amen. Amen. Voilà, la prophétesse a pris ta parole. Comme nous le disions hier dans Actes chapitre 10, verset 38, il était dit que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Je voudrais vous dire une chose. Dieu est toujours en vie. Jésus est toujours en vie et le Saint-Esprit est toujours en vie et en plus maintenant, il est parmi nous. Jésus l'a dit, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne saura pas venir. Le Consolateur qui était dans les 4 évangiles, qui était dans les Actes, qui était dans toutes les autres épîtres des évangiles, mon frère, ma sœur, je veux te dire, est le même. Il est le même. Le Saint-Esprit connaît quelle est la volonté du Père, c'est de guérir la terre entière. Amen. Assainir la terre entière. Amen. Il ne change pas. Il ne change pas. C'est le même, mon frère, ma sœur. Et revenir à dire que ce n'est plus la volonté de Dieu aujourd'hui de guérir, c'est anéantir cette fameuse Trinité, mon frère, ma sœur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils ne sont pas morts. Dieu est vivant. Amen. Dieu a toujours son amour qui est là pour ses enfants. Quel est le Père qui voit son fils, sa fille souffrir? Il ne va pas intervenir, mon frère, ma sœur. Quel est ce Père? Non, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon en tout temps, mon frère, ma sœur. Il ne change pas. Il veut toujours guérir. Sa Bible, sa parole, les évangiles ne changent pas. Les épîtres ne changent pas, mon frère, ma sœur. Il a donné l'Église comme lumière du monde, comme celle de la terre, pour illuminer tous ceux qui regardent, mon frère, ma sœur. Le Saint-Esprit est toujours là. Amen. Il est toujours en activité. C'est lui qui guérissait, le Saint-Esprit. Mais comme Jésus, on ne dit pas Jésus, on dit Jésus-Christ. L'onction de Jésus, l'onction du Saint-Esprit qui était sur Jésus. Amen. Cette onction maintenant, elle n'habite plus sur nous, mais elle est en nous. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il y a le parler en langue qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que nous sommes remplis de force et de puissance, mon frère, ma sœur, alors là, nous sommes baptisés, nous sommes immergés à l'intérieur et à l'extérieur. Et tout ce que nous touchons, mon frère, ma sœur, s'assainit. Nous sommes comme un figuier, mon frère, ma sœur. Nous sommes plantés auprès de la source qu'est la Bible. Et de ce temple sort l'onction du Saint-Esprit. Et tout ce qui touche, mon frère, ma sœur, les feuilles maintenant du figuier, mon frère, ma sœur, sont là pour la guérison des nations, du monde entier, mon frère, ma sœur. Alors, mon frère, ma sœur, arrête de t'arrêter avec tous ceux qui discourent et qui disent « Non, la guérison, c'est plus pour maintenant. » Prophétesse, est-ce que tu as compris que la guérison, c'est encore pour aujourd'hui et pour tout le monde? Amen, et comment? Bon, si vous avez compris, comme Karine a compris, je vais me taire et je vais lui laisser la place. Au nom de Jésus. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur, sois élevé, sois glorifié encore aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, et les grands miracles que tu as accomplis.
Pourquoi d'autres disent que la guérison n'est plus de ce siècle? Parce qu'ils n'arrivent pas à la recevoir, certainement. Mais nous, nous savons, nous avons compris. Nous avons été plus loin dans les enseignements que tu nous donnes, Seigneur. Et nous sommes toujours en train de déclarer que c'est ta pleine volonté, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y a aucun doute à avoir à ce sujet. Alors, Seigneur Jésus-Christ, viens éclairer encore nos vies et mettre la lumière dans nos esprits, Seigneur, si à la moindre once de doute à ce sujet, tu l'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous savons que tu es la parfaite volonté de Dieu, Jésus-Christ, et que tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour délivrer ton peuple de toute incrédulité, Seigneur, de tout doute qu'il y a, Seigneur, quant à ta mission suprême qui est la guérison des nations et de tous les peuples et de toute la terre. Seigneur Jésus-Christ, ton ministère premier a été celui de la guérison, de l'âme, du corps et de l'esprit. Sinon, comment pouvons-nous croire que tu n'es pas venu accomplir cette mission quand nous lisons, quand nous parcourons toute la Bible dans son entièreté, Seigneur? Tu n'as fait que cela, tu n'as fait que guérison, tu n'as fait que miracle, tu n'as fait que délivrance. Seigneur, comment peuvent-ils encore dire et croire que tu ne peux pas faire de guérison, tu ne peux plus faire de miracles. Seigneur mon Dieu, viens éclairer ton peuple, Seigneur. Mets la vérité au-dessus de toute chose, que tout mensonge tombe encore aujourd'hui dans la poussière, Seigneur mon Dieu. Toutes ces vaines paroles, Seigneur, soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare et je le confesse. Et faites de même, mes bien-aimés, pour votre propre vie. Jésus-Christ est celui qui guérit. Il a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui et il guérira encore éternellement. Amen. Parce que son œuvre ne peut être anéantie, elle ne peut être brisée, elle ne peut être détruite. L'œuvre de Jésus-Christ, la guérison qu'il a acquise par l'œuvre de la croix, ne peut être détruite, ni dans ce siècle, ni dans les siècles passés, ni dans le siècle présent, ni dans les siècles futurs. C'est une œuvre éternelle et elle demeurera et elle brillera au milieu de son peuple. Oui, Seigneur, nous confessons que tu es encore celui qui nous guérit au jour d'aujourd'hui. Tu guéris de toute maladie et tu guéris de toute infirmité. Tu as dépouillé par l'œuvre de la croix les œuvres de l'ennemi et tu les as rendues publiquement en spectacle. Et nous, nous voulons dénoncer publiquement ces œuvres, Seigneur. La maladie ne vient pas de toi. La maladie vient de l'ennemi de nos âmes. Et non seulement elle vient de l'ennemi de nos âmes, mais toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es venu ici-bas, sur terre, pour détruire ces œuvres, pour les anéantir une bonne fois pour toutes, sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur. Tu es venu pour les guérir. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par le sang que tu as versé, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, recevez votre guérison. Recevez votre guérison aujourd'hui, maintenant, en cet instant, en ce moment. Déclarez-le pour votre vie. Vous êtes guéri. Dis-le, mon frère. Dis-le, ma sœur. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Je suis guéri. Je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ. Je le reçois maintenant. La purification de mon corps. La purification de mon âme et de mon esprit. Je reçois le sang que Jésus-Christ a versé pour ma guérison. Je le reçois dans ma vie et je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Faisons cette bonne déclaration, mes bien-aimés, au corps aujourd'hui. Dieu pourvoit à mon salut et à ma guérison. Je le déclare et je le confesse. Non seulement il me sauve, mais en plus il me guérit. Il me guérit. Je crois à sa parole et je reçois le salut, mais aussi la guérison de mon corps. Je la reçois maintenant. Pour découvrir que la guérison est la volonté de Dieu pour moi,
je considère l'œuvre de Jésus-Christ dans tous les évangiles. Tout ce qu'il a fait par le passé, il le fait encore au jour d'aujourd'hui pour ma vie. Il a révélé la volonté du Père et il a guéri ceux qui étaient complètement malades sous l'emprise de l'ennemi. Il les a délivrés, il les a guéris. Donc, je sais maintenant que c'est la parfaite volonté de Dieu que je sois moi aussi guéri de ma maladie, guéri de mon infirmité, que je sois saint de corps et d'esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée. Je vous bénis puissamment encore aujourd'hui. Je demande que l'Esprit Saint vous entoure de sa puissance encore aujourd'hui. Il vous enveloppe de son onction et qu'il vous guérisse de la tête aux pieds. Que la guérison prenne place aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.